Les copains, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle session anniversaire des abonnés. Et aujourd'hui, on va réaliser les anniversaires du 23 et du 25 septembre. Donc voilà, c'est parti. On a trois petites demandes à réaliser. Ça va être très sympa à faire. Donc je vous montre ça. On a une première demande du 23 septembre de la part de... Hop, si j'arrive à bien tourner mes... Oups, mes pages. De la part de... Hop, de Momo Lol qui nous a demandé de gratter deux mots croisés à 5 qui sont là, voilà. Et ensuite, on va réaliser la demande de Mélissa qui nous a demandé un petit... non, de Marisadé, pardon, qui nous a demandé un petit millionnaire. Et ensuite, de Mélissa qui nous a demandé de gratter un petit mot croisé à 10. Donc, tout est là, les copains. Voilà. Donc, du coup, si toi aussi, tu veux participer aux anniversaires des abonnés, c'est tout simple. Il suffit de me laisser ta demande de jeu à gratter dans les commentaires ou sous le post correspondant aux anniversaires, ainsi que ta date d'anniversaire. C'est très important. N'oubliez pas que la demande de jeu à gratter ne doit pas dépasser 10 euros. C'est très important. Si elle dépasse les 10 euros ou si la demande est incomplète, bien sûr, la demande ne sera pas prise en compte. Voilà. Donc, c'est parti. Clairement, il y avait un petit chat qui était derrière moi. Ok, bon bah non, elle est plus derrière moi. Ok, bon bah fais ta vie. Et du coup, c'est parti, on commence avec le premier mot croisé à 5. On gratte dans l'ordre chronologique, j'y perds mes mots. C'est parti. Allez, les lettres gagnantes, nous avons le H, le V, le T, le G, le B, le W, le S, le P, le N, le L, le C, le X, le I, le D, le Z, le R, le O et le A. Par contre, c'est une blague, les lettres... c'est catastrophique, voilà. Je trouve que c'est catastrophique, c'est personnel, mais bon, voilà. On va essayer de faire au mieux. Donc, clairement, on a toutes les voyelles, sauf le E, le U et le Y. Donc, tous les mots qui comportent un E, un U ou un Y, on va les barrer, c'est parti. Donc, tac. Alors, ici, ici. Ici, ici, là. Bon, il y a quand même quelques mots à contrôler. On va regarder ça ensemble. J'espère que ça va nous apporter quelque chose de pas mal. Donc ici, on a coq, C-O et le Q. On n'a pas, donc on n'a pas de Q. Voilà, donc c'est pas grave. Ici, on a Almanala. J'arrive pas à le dire. J'arrive pas, j'ai jamais réussi à dire ce mot, donc laisse tomber. A-L et le M. On n'a pas. Donc c'est mort. Tous les mots avec un M sont perdants. Donc tramway, c'est mort. Il reste chic. C-H-I, c'est qu'on a. Hop, c'est bon. Et tour, il y a un U, j'ai oublié de le barrer. Donc hop, on avait chic. Donc c'est officiellement perdant en ce qui concerne la première grille. On passe à la deuxième. On barre tous les mots qui comportent un E, un U ou un Y. C'est parti. Hop, 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 là. Okay. Donc ici on a yacht. Non mais non, Y en barre, pardon, c'est moi. Donc on commence avec flan et le F. Bah, ça commence bien. On n'a pas le F, donc tous les mots avec le F sont perdants. Il nous reste roi, R-O-I, que l'on a. Et imposant pour 5 potentiels euros, I, et on n'avait pas le M de mémoire, voilà. Donc c'est mort. Voilà, donc le premier mot croisé à 5 est officiellement perdant, les copains. Hop, on oublie, on le passe à la corbeille. Et on enchaîne avec le deuxième mot croisé à 5 en espérant faire mieux, en espérant avoir un potentiel gain. C'est parti. Les lettres gagnantes, nous avons le O, le Y, le I, le A, le L, le N, le D, le K, le V, le G, le M, le H, le J, le P, le B, le C, le R et le T. Très bien. Donc là, niveau voyelle, on les a toutes, sauf le E et le U. Donc tous les mots qui comportent un E ou un U, on va les barrer. C'est parti. Donc là, 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 ici, là, 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 là. Hop. Ok. Donc ici, on a roi. R-O-I, que l'on a. Ok. Ici, on a prix, donc P, R, I et le X pour 5 euros. On ne l'a pas. D'accord, c'est pas grave. Ici, on a info, donc I, et où le N, il est là. N,
Et le F. Ben, il est pas là. Ok, dommage. Et ski. Le S. On l'a pas. Ok, donc c'est perdant ce qui concerne la première grille. C'est pas grave. On enchaîne avec la deuxième. On barre tous les mots qui comportent un E ou un U. C'est parti. E ou U. Là, 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 là. Hop, là il y a du U, là il y a du E. U, U, E, 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 E. Et voilà, c'est bon. Ok, le reste on va contrôler. Ici on a Moka. M-O-K-A. Ça fait un mot, c'est sympa. C'est cool, on adore. Ici on a Rock. R-O. C'est les amis, deux mots. Deux mots, deux mots, c'est gagnant. On n'est pas fini dans la vidéo, on a gagné, on vous croise à 5, c'est super cool. Trop bien. Trop bien, donc là on a 5 euros. Est-ce qu'on a yacht au pluriel pour 10 euros? Donc Y, A, C, H, T. Oh non, c'est le S qui va nous porter préjudice. Parce qu'on a yacht, mais au singulier, on n'a pas le S. Donc c'est mort. Du coup, cristal, c'est mort. Et est-ce qu'on a créé pour 10 euros? C, R, I, les amis, oui. On a 10 euros à ce mot croisé à 5. On sauve la mise. Ah là 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 là, c'est fantastique. On sauve la mise. On a 10 euros à ce ticket. Donc ça nous rattrape la catastrophe du premier ticket. C'est fantastique. On le met de côté. Et on enchaîne du coup avec le petit millionnaire. C'est parti. Donc il nous faut deux symboles identiques dans le même petit quartier, deux couleurs dans le premier jeu pour gagner. Et nous avons une couronne, une coccinelle. 1$. On continue avec un avion, un scarabée et un coffre. Ok. Ensuite, on a un diamant, un collier, un chapeau. Très bien. On continue avec un parasol, une étoile et des pièces. D'accord. Ici, on a un chaudron d'or, un porte-monnaie et une montre. Ok. Et ici, on a des billets, un bateau et un papillon. D'accord, c'est perdant en ce qui concerne le jeu, hein, c'est pas grave. On enchaîne avec le jeu 2 où il faut qu'on ait deux sommes identiques pour la remporter. C'est parti. Donc on a 100 euros et 50 euros, 10 euros, 1000 euros, 20 euros, 150, 10 000 et 100 000. Ok, c'est perdant, c'est pas grave. On enchaîne avec le jeu 3 où il faut que le diamant soit plus lourd que le saphir. C'est parti. On a 18 à 20, 7 à 13, 26 à 27. C'est perdant, c'est pas grave. On enchaîne avec le jeu 4 où il nous faut le symbole euro pour gagner un potentiel gain. Et on a un trèfle, des lunettes, des pièces, une étoile, un parasol et une montre. C'est officiellement perdant en ce qui concerne le millionnaire. On l'oublie, on le met à la corbeille et on enchaîne avec le petit mot croisé à 10. Voilà, il est là. Et hop, moi je commence toujours avec le jeu 2 pour vérifier ce qu'il y a dans la grille parce que c'est plus facile pour moi vu que je barre les mots au Vileda. Donc c'est parti. Le jeu 2, je vais gratter les mots mystères. Il faut qu'on les retrouve dans la grille. C'est parti, on a comme premier mot soute. Est-ce qu'on a soute quelque part? Donc on va vérifier ça. Non, on ne l'a pas. Ok, et deuxième mot. Œil, est-ce qu'on a œil? Donc c'est un petit mot, sera plus facile, plus difficile à trouver. Oui, il est là. Regardez les copains, on l'a ici, œil. On l'a, il est là. Donc on a gagné, c'est gagnant, le ticket est gagnant, c'est fantastique. Alors, à côté de soute, il y avait 50 euros. Combien on a à côté d'œil? J'espère qu'on aura quelque chose de joli. Et verdict, on a... bah 10 euros, c'est remboursé pour œil, ça fait plaisir. Écoutez, on va tenter le ticket. Bah écoutez, à 20 euros, pourquoi pas à 50. Qui sait, on peut très bien faire 20 et 20 ici, hein, pourquoi pas. Et du coup, on enchaîne, on continue.
avec le jeu 1 où il faut qu'on ait un ou plusieurs mots gagnants dans la grille. C'est parti. Enfin, deux ou plusieurs mots gagnants dans la grille, pardon. Allez, et les lettres, nous avons le B, le U, le X, le I, le C, le L, le F, le M, le H, le G, le P, le N, le Z, le S, le T, le R, le A, le Y, le Q et le V. Très bien. Donc là, niveau voyelle, on les a toutes, sauf le E et le O. Donc tous les mots avec un E ou un O sont perdants. On va les barrer. C'est parti. Donc E et O. Donc là, 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 ici, là, là, E, E, O. Voilà, ok, il nous reste quand même quelques mots à contrôler, on va regarder ça ensemble. Ici on a YAC, donc Y, A, C et Loloka. Non, on n'a pas le cas malheureusement, d'accord. Donc ski aussi c'est perdant. Ici on a Nanti, N, A, N, T, I, S qu'on a, ça nous fait un petit mot, c'est cool. On enchaîne avec lundi, donc L, U, N et le D. On n'a pas le D, c'est dommage. Et du coup, midi, c'est mort. On n'a pas le D. Donc, le jeu 1 est officiellement perdant. C'est pas grave. Et on enchaîne avec le jeu 2 où il faut qu'on ait un ou plusieurs mots gagnants parmi grâce aux lettres présentes. Pardon, j'arrive plus à parler aujourd'hui. C'est ma journée, j'arrive plus à parler. Et c'est parti. Let's go. Alors, les lettres gagnantes, on a le I, le X, le A, le P, le G, le H, le F, le L, le R, le Q, le B, le E, le N et le O. C'est parti. Donc, premier mot, ici, on a blé, B, L, E qu'on a. C'est un ticket à 20 euros, les copains. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et du coup, à mon avis, bah, tous les autres sont perdants. On va quand même vérifier. Ici, on a date. Et le D, on ne l'a pas. D'accord. Vexé. Le V, on ne l'a pas. Ok. Époque. E, P, O, Q. Et c'est le U qu'il nous manque. Donc le U, hop, c'est mort pour fusion. Et hommage, on n'a même pas le H. Ah si, H, O, et c'est le M qu'on n'a pas. Donc voilà, c'est officiellement perdant. De toute façon, on ne peut pas gagner 20 euros. Donc c'est déjà très positif. Très cool. Bah écoutez, c'est une session qui nous aura rapporté des gains que aux mots croisés. Bah écoutez, ça fait plaisir, les gains des mots croisés. Voilà, du coup, petit récap de la vidéo, investi 30 euros, récupéré 30 euros. Donc fantastique, ça fait plaisir les sessions où on est quitte. Bon, on adore les bénéfices, mais franchement, déjà être quitte, c'est déjà génial, je trouve. Donc du coup, je vous montre comment on a récupéré tout ça. On aura récupéré 10 euros aux mots croisés à 5, donc on aura eu 3 mots. Ici, c'est 10 euros. Et au mot croisé à 10, on aura eu le mot œil ici, hop, pour 10 euros. Et ici, on a le mot blé, B-L-E, pour 10 euros aussi. Voilà, tout simplement. Du coup, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Hein. Faites comme vous voulez. Vous savez que cette chaîne est avant tout la vôtre. Moi, personnellement, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo de jeux à gratter. Bisous les copains.